Les gens qui d'ailleurs ont des témoignages de ton église.
vous êtes fier dans la parole aux gens. C'est pourquoi il faut être fier dans la parole que tu as. Et ça l'est là, le lien est pour la parole des Seigneurs. Et pratique les choses comme la parole te le demande. C'est pour ça que vous avez une vie à pureté et à sanctification. Désire avoir la vie de la pureté et de la sanctification. Une vie à crainte de Dieu. Mais bon, moi, il y a tout bas dans l'assemblée. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont la parole aux gens. C'est cela, donner honneur à la parole que tu as. Les gens vont te calomnier, mais qu'ils ne te trouvent pas. Que ça ne soit pas là qu'ils te calomnient, mais que ta conscience commence encore à te reprocher. Ce n'est pas bon. Les animaux à la bonté. Il faut avoir un bon témoignage au milieu des païens. Ici, quand les choses sont pour ça, partout où tu travailles, les âmes, ici, que ça soit là où tu te rends au marché. Aux âmes, moi, si, aux âmes mariées, dans la belle famille, là. Tu es une femme dans ta belle dans famille, là. Dans ta famille, frère, ou dans ta soeur, que tu sois frère ou une soeur, le cas par tous les moyens, ça a un bon témoignage. Cherche par tous les moyens à avoir un bon témoignage. Évite les choses qui seraient une occasion de chute pour les autres. Lorsque tu sens que ce que tu veux faire ne va pas aider les autres, laisse. Tu as appelé pour annoncer la vertu de Christ. Tu bénis ton sabre, la misère, la langue de Christ. C'est ça, 1 Pierre 2, au verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Donc, Jésus-Christ a beaucoup de vertus, de qualités, de bonnes œuvres. Mais pour que cela se manifeste, c'est seulement par ton chemin. Il y a 1 Pierre 2, verset 9. C'est ce que dit 1 Pierre 2. Ton bénin pour notre annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Nous sommes appelés à annoncer les qualités ou les vertus du Christ qui nous a appelés. Donc ceux qui Christ a résisté qui péchaient, si le Christ avait résisté devant le péché, allons à qui le péché et qu'il avait vaincu le péché. C'est dans ta vie ou dans nos vies que les gens doivent le voir. Donc Jésus-Christ a l'homme qui sont. Ils vont croire vraiment que Jésus avait vaincu le péché lorsque toi aussi tu vaincs le péché. Nous avons une grande responsabilité sur la terre. Nous avons une grande charge sur la terre. Tant le Seigneur avait vaincu Abraham. Lorsque le Seigneur avait appelé Abraham. Et tant aller pour visiter maintenant pour la 7e fois. Lorsqu'il est venu le visiter pour la 7e fois. En Genèse 18. Dans Genèse 18. Ses promesses y arriver à moi pour lui donner la promesse de l'arrivée du fils et pour juger aussi Sodome et aussi pour le jugement de Sodome. Le Seigneur avait dit une chose à partir du verset 17. Genèse 18. Cachez-vous, j'apprends quelque chose. La courbe est à ta mais l'eau qu'on a mis à saint. Le Seigneur doit aussi dire silence. Je ne peux pas cacher quelque chose. C'est pour ce qui m'a si les choses arrivent, le Seigneur doit te le dire. Et il ne faut pas désirer être surpris par les événements. Le Seigneur est capable de te parler des événements. Dieu est grand. Zambas à lui-même. Et si pour moi la grandeur n'aille pas aux autres sanctifiés. Et surtout, tu verras ta grandeur lorsque tu te sens. Lorsque tu crains son nom. Et tu deviens en amitié avec lui. Il va commencer à se manifester à toi. Et c'est ça, la plus bonne des choses dans ta vie sous ce soleil. Vivre Christ. Oubika comme Christ. Alors oui, Abraham deviendra certainement une grande nation. Abraham a commencé seulement le mot tabouné. Car en lui sera béni toutes les nations de la terre. Et des quatre nations ma mot tabouné sont bénies pour pas moi ma carte. Donc mes colonies sont ma coupe pour la manantera Abraham. Donc toutes les nations seront bénies par Abraham. La même responsabilité n'a pas pesé sur Abraham. Mais on suit la charge que le Seigneur avait assignée à la maison d'Abraham. Charge en haut et en haut. Et c'est ça cette responsabilité. Car toujours dans Genèse 18, en somme. Toujours Genèse 18. Je l'ai ordonné. N'a pas mon titre. À l'obéla, bananaïe, à lui. À sa maison après lui. Va garder la voie de l'Éternel. Va battre la nzela, ya Yahweh. C'est ça la responsabilité. Y'a mon nom, Kumba, à Pessagabana. Soko moni, moutoiseau, pas foué. Voix de l'Éternel. Si tu vois quelqu'un rejeter ou bafouer la voix de l'Éternel, il n'est pas
fils d'Abraham. Oh, voie de l'Éternel, c'est le chemin. Jésus dit dans Jean 14, Jésus dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous voyez comment Abraham, ceux qui ont protégé le Messie, la parole. Tu seras reconnu comme fils d'Abraham si tu gardes la parole. Jésus, Messie Israël, Jésus a dit à Israël, vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Nous a dit pas n'a pas la terre. Voyez pourquoi je dis que vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Cherchez à me tuer. Vous êtes mon équipe. Parce que c'est lui qui est le chemin. Parce que c'est lui qui était le véritable. La promesse pour la maison d'Abraham, c'est qui gardait la voie de l'Éternel le royaume. La charge de la maison d'Abraham, c'était de garder la voie de l'Éternel qui viendra. Mais avec maman, vous avez pour père les diables. Parce que vous avez de la tata Satan. Maintenant, la plupart des églises aujourd'hui, parce qu'ils ont été bénis, et une voix de l'Éternel qui est Christ et Jésus, parce qu'ils ont été bénis, Christ et Jésus, m'a méprisé. Ils ont méprisé cette voix. Afin de garder les cambos, ils sont restés servants. Libérez-les au combat. Crois en Jésus-Christ et tu vas te marier. Libérez-les au combat. Crois en Jésus-Christ et tu auras de l'argent. Libérez-les au combat. Crois en Jésus, tu auras des enfants. Mais ma tosse à ta femme. Mais ils n'obéissent pas à Dieu. Vous allez remarquer les serviteurs qui bénit quelqu'un. Tu vois vraiment que la personne est Jézabel. Elle n'obéit pas à Dieu. Mais tu es béni. Ce n'est pas mon ami. Donc, toutes ces choses, mais la postérité avant. Ils ne sont pas la postérité d'Abraham. Postérité Abraham d'abord est pour veiller le chemin de l'Éternel. La postérité d'Abraham va veiller sur la voie de l'Éternel. Donc l'enseignement, l'ila qui s'y entend. C'est ce que toujours t'es à Abraham. Et c'est ce que nous prêchons Dieu de la chair. D'abord est toujours veiller dans la roue. C'est à cela que nous veillons le plus. Garder l'enseignement. Battez la lila qui s'y. Et dans ce texte, la mission de l'Apocalypse 2, verset 1 à 7. Et nous prenons notre texte de l'Apocalypse 2, le verset 1 au verset 7. Nous sommes sur les sept églises d'Asie. Nous prêchons sur les sept églises d'Asie. Nous sommes sur la première église maintenant. Maintenant, nous sommes à la première église. Nous autant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le verset 1er, dans le verset 7e, il y a l'Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Comme l'ange de l'église à Éphèse. Voici ce qui dit celui qui tient les sept étoiles dans la main droite. Celui qui marche au milieu de sept chandeliers. Je connais tes œuvres. Ton travail. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci. Ce que tu es, les œuvres de Nicolaïte. Œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, j'ai donné à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que Dieu bénisse les dieux. Ça ne vient pas pour la vie de Dieu. Nous rassurons par la grâce de Dieu. Tout à l'heure, c'est qui d'abord dans sa main, il y a un sommeil de l'équipe.
On avait montré au cours de la semaine passée que cette église existait en Asie mineure. Et que cette église avait existé en Asie mineure. Les autres églises, donc la église de Bissau, il y a ces combattants à Tchop. C'était des églises locales comme la nôtre ici à Tchop. Les Arakipés n'ont pas été. Et ces églises aussi avaient des serviteurs parmi elles. Mais nous montrons d'abord, bien aimé, que l'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse, c'est Paul de Asalaki qui nous a amené à la grâce, qui avait commencé cette œuvre-là par la grâce. Ah, je vous ai donné le passage de la semaine. Je vous avais donné les passages au cours de la semaine. Sur le Tanguy et Actes des Apôtres, chapitre 18. En lisant Actes des Apôtres, chapitre 18. Nous en soyons beaux par la grâce de Dieu. Nous les prenons par la grâce de Dieu. Entre temps, comme ça m'a tenu qui aussi. Entre temps, n'oublie pas, comme on l'avait dit, que dans Acte 15, dans verset 7, qui est dans Acte 15, au verset 7, Pierre, la conférence de Jérusalem. Pierre, lors de la conférence de Jérusalem. Il s'est dit que il y a des amis qui croient pour la vie et pas à païen comme nous. Il avait montré que c'est lui qui était choisi par Dieu pour annoncer la parole chez les païens pour la première fois. Là, après ce qui vient, Acte 15, verset 7. Là, je vous avais donné Acte 15, verset 7. Pourquoi Toloba qui bongo d'abord? Pourquoi on avait dit cela? Et là, il y a qui pensent que vers les nations, nous avons dit qu'on annonçait les apôtres. C'est pour ceux-là qui pensent que vers les nations, la première personne à annoncer l'évangile, c'était Paul. Mais tout à l'heure, qui m'écrit hier aussi dans la semaine. Mais on avait montré les écrits au cours de la semaine. Que dans l'air, il y a persécution. Oui, Bagouma qui Étienne. Que lors de la persécution subvenue sur le frère Étienne, dans Acte 7. Dans les Actes 7. Tout à qui Acte 8. Tout à qui dans le verset 1er. On avait pris Acte 8, le verset 1er. Oui, et confirmant qui Bichon. Qui nous avait confirmé qu'il y avait un jeune appelé Saul, et ça là qui n'est rien qu'un bâle comme un Saul, a approuvé qu'il meurtre et tient. Et en dimis ça qu'il y voit, il y a des chrétiens. Il y a des possibles, il y a un bâton, il y a des chrétiens qui tient. Celui qui gardait les vêtements lorsqu'on lapidait et tient. Mais ce qu'on a bien parti, le verset 4e, il y a Acte, chapitre 8. En suivant à partir du verset 4 des Actes 8, Azotan et Sabiso, qui est à cause de la persécution, les Yakam, on nous montre à cause de la persécution qui était venue, un disciple de l'église de Jérusalem a les disciples de Jérusalem s'étaient dispersés. Et dans leur dispersion, ils allaient aussi répandre l'évangile. C'était pour l'accomplissement de l'écriture de Jésus-Christ à l'Ovaki. C'était pour l'accomplissement de l'écriture que Jésus-Christ avait dit dans Actes chapitre 1er. Dans Actes chapitre 1er, en verset 8e, au verset 8, l'Ovaki, vous recevrez le Saint-Esprit. Pour vous soyez car on est mon sang. Que le Père avait promis. Et vous serez mes témoins. Et puis nous vous soyez car on est dans Actes 1. Là dans les Actes 1, verset 8e. Au verset 8, vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem. Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qui nous l'a mis colonie sur ma bénédiction. Verset 1, les hommes en accomplissement par la persécution et les tiens. Ce verset-là commence son accomplissement par la persécution des tiens. Et dans Acte 8, un disciple à Jérusalem. Les disciples de Jérusalem s'étaient dispersés en tant que Pantani. Et lorsqu'ils se sont dispersés, ils sont allés répandre l'évangile. De ville en ville, de ville en ville, pour répandre la parole. Et ils ont confirmé qu'il était en tant que Pantani, il était la parole. Et on a confirmé qu'en se répandant pour prêcher la parole, et Saul était encore inconverti. Parce que Saul dans Acte 9. Parce que Saul dans Acte 9, Azoki Mukanda Bayaba principaux. Il avait reçu une lettre des principaux sacrificateurs pour Akine Mukanda Ba Santu à Damas. Pour aller lier les saints à Damas et les jeter. Il était encore inconverti. Mais il y avait déjà ceux-là qui s'étaient dispersés pour répandre l'évangile. Et tout à l'issaki. Et on avait montré aussi. Et le Seigneur a dit qu'on travaillait dans notre union sur d'après mesure et la grâce pour la paix. Que le Seigneur travaille avec chacun selon la mesure de la grâce qu'il lui a faite. Et il y a un autre texte qui est dans Éphèse. C'est pourquoi on avait montré qu'à Éphèse. Et ça, Paul, là, qui l'a été. C'était Paul qui était allé prêcher. Sauf aux Juifs.
Acte 18, en prenant acte 18, on va bien partir à verset 18e, à partir du verset 18, autant qu'il tient le verset 21, et tu lis jusqu'au verset 21, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 18, 18 à 21. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Paul a dit qu'il y a un à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères. À la Katibandeko et s'embarqua pour la Syrie. Et à Kendaki Nambokasu avec Priscille, na Priscille et Aquilas. Et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sancré, na sima ko kokola mutu na boka sanke, car il avait fait un vœu. Oui, ta sara ki nda ya nazira. Mais non, on ne sait pas ça vaut pour des Juifs. Et toutes ces choses, il les faisait pour des Juifs. Ils arrivèrent à Éphèse. Bah, comment qui ne vous m'Éphèse? On les a versés 19, il y a acte 18. Et Paul y laissa ses compagnons. Mais on a dit qu'il va nous mener à Moussa. Ma compagnon les a Priscille et Aquilas. Et ses compagnons d'œuvre, c'était Priscille et Aquilas. Étant entrés dans la synagogue, ils s'entretaient avec les Juifs qui les prièrent de prolonger son séjour. Mais ils n'y consentirent point. Et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous. Voilà à la qui va te faire. Là, il a promis les gens. Si Dieu le veut, ce qu'il a et il partit de fait. Puis, à le roi qui est fait, à Kendaki. Donc, à Kendaki, pour qu'il y ait Jérusalem. Donc, il s'était rendu, il avait quitté Éphèse pour aller à Jérusalem. Mais après, à Yaki, qu'aux sur Éphèse. Mais après, il était revenu encore à Éphèse. Là, dans acte 19. Là, dans les actes 19. Sauf Tanguy, en lisant. À partir du verset premier, là. À partir du verset premier. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Là, les gens ont fait. Il dit: allons-y. Quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est ça l'église d'Éphèse. Et Paul a sa habitude, il y a et Paul avait la coutume d'entrer dans les synagogues et débattre avec les Juifs. Donc, ce qui est dit aux amis, en assemblée des saints, si par exemple tu es ici dans l'église des saints, un prédicateur, il n'est pas seulement dit de prêcher dans les églises des saints. Tu peux aussi prêcher dans les églises pentecôtistes. Même Zambé, ce qui est. Même l'église de Nzambé, même dans Bethel, tu peux prêcher à toutes ces églises. Par souci, il y a pour évangéliser. Par souci d'évangéliser les âmes qui y sont. Si l'église avait commencé à faire, si l'église avait commencé à faire, c'est parce que Paul avait pris le courage d'affronter les sacrificateurs. Il a commencé à exposer la parole. Et ils étaient déjà convaincus. Dans Acte 18, verset 17-18. Dans les actes 18-18. Et même avait dit: demeure encore avec moi. Voyage. Il dit: je fais un voyage. Mais je reviendrai vers vous.
Mais j'ai laissé mes frères ici. Atikaki, il avait laissé Aquilas, Aquilas et Priscille. Parope, et aussi. Apollos, ils ont vu Apollos. Apollos avait très courageux. Apollos était très courageux. Il est venu encore dans la synagogue. Que Jésus est l'Église. Il a annoncé que Jésus est l'Église. Mais il était limité seulement dans le baptême des gens. Maintenant, Priscille et Aquilas l'ont amené. Les témoignages de Jésus, c'est lui le Christ, c'est la vérité. Mais le problème, c'est que le coup là, le baptême, les baptisants, au nom du Seigneur Jésus. Et ça dit qu'il a beaucoup à coller sur lui. Le coup là, par moi, parce qu'il a permis de m'enseigner plus exactement. Comme il l'avait tiré à la partie pour l'enseigner plus exactement. C'est ça le ministère. Il y a bon et vous salamez. Un ministre n'est pas là en train de combattre avec les Écritures. La face qui occupe par les choses charnelles, les films. Au moins, on t'a dit, Marambo, Dengue, Panda, et ça, la chose 24 heures. Un ministre qui me dit, c'est bien le film de Rambo. 24 heures. Jacques Boer. Ministre est bien. Un serviteur qui me dit, bien cette série. Donc, et au moment de 18h, on savait comment c'est à 18h. 16h du matin. Jusqu'à 6h du matin. Il est très concentré. Il doit suivre comprendre Jacques Boer. Pour comprendre qui est Jacques Boer. Oui, c'est la manière de vivre. Et c'est là qu'on a donné la manière de vivre. Mais au moment de 6h, 10h, t'es pas dans la matinée. Mais tu ne peux pas faire de 6h à 0h pour les matins. Il n'y a pas un confusionniste. Ça, il sera un confusionniste de Dieu la chaîne. Non, de tout le travail bloqué de la montagne. Dans le salaire de paix, ça le foule qui. Dans le travail, il s'appelle. Lorsqu'il n'a pas de travail, c'est faire sentir. C'est là se faire sentir devant les gens. C'est pourquoi nous savons un serviteur doit quitter la distraction. C'est pourquoi nous demandons au serviteur de quitter la distraction. Soit tant dans le salaire à Zambé. Prends le temps comme ça de ça dans le Zambé qui dit. L'œuvre à laquelle le Seigneur est. Prends du temps pour cela. Donc, nous savons là. Donc, ton travail. Et ça, autant là. Donc, c'est libre. Pécoter. Et prêcher. Il y a un moment où il y a qui est Timothée. C'est pourquoi on avait dit jusqu'à ce que je vienne. Qui nous t'a pour être dans le applique-toi à la ligne. Parce que c'est un ministre. Ni personne n'a autant de la main. Un ministre aidé. Père, c'est un ministre aussi son enfant. Un ministre, père qui s'adresse à toi. Dis-le. Jusqu'à ce que je vienne. Ça. Quand on dit s'appliquer, c'est une vie. Donc l'application est une vie. Donc au moment là, Timothée, Azar pourquoi pour se dissocier de la lecture. Donc Timothée ne saura se dissocier, se séparer de la lecture. C'est sa vie. Bon, c'est ça s'appliquer. N'est qu'on mit paix Satan mon à la lecture. N'a pas tant. Amen. Donc, avant de dire qu'il y a un monde qui combat la magie. Il montre que c'est ce qui va plus préserver ou garder. C'est très important ces choses. Et ça dit qu'il y a un monde. Et tant nous enseigner plus exactement. Et lorsqu'on lui a enseigné plus exactement la parole, c'est que la carte est en mort, il fit aussi Apollos fut baptisé au nom de Jésus. C'est-à-dire dans cela, Apollos aussi était baptisé au nom de Jésus. Parce qu'à comment qui est-il? Parce qu'il était devenu utile au frère. C'est déplacé qui croit qu'il y a un déposant à côté de Jésus. Lorsqu'il s'était déplacé pour se rendre à un autre endroit, ça dit très élevé. Il était très élevé. Mais c'est quelqu'un qui a complété les encore. On devait compléter quelque chose dans son ministère. Alors qu'on le dit, oui. C'est pourquoi nous disons ceci. Exactement que ce n'est pas que nous a serviteur ou ministre. Tu es un serviteur ou ministre. Vous savez, une année au terme. Tu fais une année, tu ne prêches pas dans l'église. Pas synagogue, il y a beaucoup de synagogues bien-aimés. Exactement. Vraiment, il y en a assez. Oui, on ressent ça. Il y a un oignon sur le où tu peux travailler pour les convertir à un ensemble de saints. Oui, vous avez moi. Donc c'est comme ça, bien-aimé. Pour affronter l'opportunité. Tu affrontes la chose. Azamé dans une bonne position. Et ceux qui appartiennent à Dieu prennent une bonne position. Cette habitude de faire les alakas très bien. Et c'est une très bonne habitude de faire. Parce que exactement ceux qui vont te passer pour la frustrer. Ce n'est pas que si les gens sont là-bas dans la frustration. Et que tous ne sont pas des enfants de Dieu. Non. Il y a des enfants de Dieu là-bas, mais qui ne passent pas à l'écouter là-bas. Comme la maman, tout le monde a annoncé la parole. Tu vas parvenir
chez eux, tu annonces la parole. Assure aussi bonne position. Et qu'ils apprennent ou qu'ils adoptent aussi la bonne position. Parce que ton coutana, parce qu'on a croyé à croiser. Dans ma ville, nous sommes au côté, au Kéiti. Et dans d'autres villes, tous sont des bananistes. Mais tu viens demeurer là. Pour faire des débats, des prières. Et jusqu'à ce que les tabernacles deviennent des églises. Et qu'ils se font baptiser aussi. Et les têtus se retirent. Les pasteurs. Et les autres. Et se sont convertis en enfants de Dieu. Mais tu as demeuré là-bas pour les travailler. Tu as travaillé. J'avais toujours aussi un évangéliste qui pouvait venir les Baroutes. Et Barouti avait envoyé. Maintenant, il ne fallait pas me soigner dans le pays. Il ne fallait pas que je puisse m'entretenir avec lui. Je devais parler avec lui là-bas. Je n'ai pas son message. Et lui qui provenait de qui? Nous tous trois. On a commencé le partage des choses de Dieu. On a commencé l'entretien. Et avec des brochures, on a travaillé. Après, pasteur et Sika, nous après, lorsque l'autre est allé se reposer, nous sommes vraiment trompés. On a continué. En tout cas, il va sentir qu'il faut respecter le Seigneur. Ils ont senti qu'ils devaient respecter le Seigneur. L'église, donc, a bien emmené Jésus, ton nom est en haut à monde. On a fait quitter l'église entre les mains des noms pour la donner à Jésus-Christ. Parce que notre souci, l'œuvre, ça va tout effacer ma combat. Parce que notre souci, c'est effacer les noms des ordres. Ma combat Jésus-Christ. En fait, laisser éternellement le nom de Jésus. C'est ça. Au côté du milieu, tu entres dans un milieu, tu enfonces une occasion, annonce la parole. Tu reçois une occasion, annonce la parole. Le temps n'est plus. C'est le temps d'annoncer le royaume de Dieu. Il faut avoir cet empressement. Il faut sentir cet empressement. Même toi, il faut avoir cet empressement. Et Seigneur, nous allons amener de témoigner Christ. De témoigner Christ. Place aux hôtels. Là où tu vas. Place aux amis. Là où tu es. Pour témoigner le Seigneur. C'est toi qui témoignes le Seigneur et c'est une. C'est ça notre vie. Il y a moins de bons mots dans l'histoire. Et c'est important. Et cela est très important. Et le Seigneur a profité à eux. Et le Seigneur va te payer. Parce que mon fils est malade dès le Seigneur. Parce que c'est lui le bon rémunérateur. Et dans Acte 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, et il a dit, Là, on a montré comment est-ce qu'ils avaient reçu le matin. On prend le verset 8. Le verset 8. Acte 19. Ensuite, Paul entra dans la synagogue. Il parla librement. Pendant 3 mois, il discourit sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Où est-ce? La synagogue. Il a affronté. Il expliquait les choses du royaume. Il utilisait que le rouleau qu'il détenait. Pour la taille, ça va que dans le rouleau, il est question de Jésus-Christ. Vous montrez que la taille, ça va pas mal comme un tableau béni de Jésus. Il a travaillé. Mais comme quelques-uns restaient endurcis. Le col a été béni, va s'y continuer. Voilà, personne n'est bien. Incrédule. Décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Et ils se retirèrent d'eux. Séparant les disciples. Et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannis. Cela dura 2 ans. Et de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie juifs et grecs entendirent la parole du Seigneur. Non, et c'est pourquoi quand le Seigneur
viendra pour frapper. Et c'est pourquoi lorsque le Seigneur l'avertit de sa mort, il rentre encore à Jérusalem. Il arrive à la ville de Milé. Dans Acte 20, à partir du verset 17, il a envoyé chercher les anciens d'Éphèse. Et lorsqu'on a appelé les anciens d'Éphèse, ils sont venus là. Maintenant, on entend le verset 25 jusqu'à 28. Le verset 25 jusqu'à 28. Il y a Acte 20. Et maintenant voici. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pire du sang de vous tous. Et là, c'est une signature que chaque serviteur va faire à la fin de sa vie. Et qu'il n'a pas caché au serviteur ni au peuple l'enseignement qu'il a. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Sans rien cacher. Verset 28. Acte 20. Prenez donc garde à vous-même. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'église du Seigneur. Qui s'est acquise par son propre sang. Le Seigneur nous met en garde bien. Que le peuple basali, peuple acquis par le sang précis. Et te dibote sombani la maquila ya mutuya. Un serviteur va dans l'esprit auditoire. Un serviteur doit respecter le peuple. Aboki jamais kotia eloko oyo la parole est ôtée. Il ne peut pas établir une chose que la parole s'oppose. Ce qui passe à prêter pour monter à la chair. Prêt de monter à la chair. Même si vous nous dites qu'il est venu prêcher. Je ne sens pas ou je ne vois pas l'ouverture. Tu suis attentif. Respect à l'imméniable pour la liberté. Donc il va parler ce que Dieu a donné. Côté les invénétaires. Non, être serviteur ne peut être vénète. Donc comme un honneur, non. Hein? C'est pourquoi tu vas voir. La plupart rabattés, ceux qui enseignent erreur. La plupart des serviteurs, s'ils viennent à commettre une erreur. Ceux qui va corriger, si on veut le corriger, assimilant directement, non. Il assimile cela pour se combattre. Que tu le combats. Donc cela veut dire, à ce moment-là, côté les gloire. Donc, il voit vraiment que prêcher c'est un grand honneur. À ce moment-là, côté pour les salut des âmes. Il ne voit pas cela comme le salut des âmes. À ce moment-là, valeur. Il voit sa valeur en lui, certes. Mais il ne considère pas la valeur de l'enseignant. J'ai dit plus haut qui obéit vérité ou élève les seigneurs. Si tu prêches la vérité, tu élèves les seigneurs. Mais son côté il fausseté. Mais si tu prêches la fausseté, c'est tu as humilié Jésus-Christ. Il faut qu'on l'inga tombe la Jésus. Tu dois aimer élever Jésus-Christ. Donc tu avais prêché une erreur. Donc j'avais prêché une erreur, tu me corriges. Il faut que je rentre ici pour le corriger. Ce n'est pas que corriger avec des stratégies de ruse, non. Je dirais vraiment cette chose. Lorsque j'avais parlé avec le frère, il m'avait aidé sur cette point. Et ça n'est pas lui qui dit ça. Maintenant, où est-ce que tu vas manifester l'humilité au ciel? Ah, ouais, t'as l'humilité d'elle. Mais l'humilité, t'as dit ça. Quand la chose est injuste, t'es. Lorsque la chose n'est pas juste, a aidé. Et quand t'as aidé. Pour tout mieux, ce n'est pas son travail. Donc, sans exception. Sauf quand Jésus a souverain. Sauf Jésus-Christ, c'est lui qui nous a aidé. Nous soutenons ce petit ami. Mais nous tous qui sommes restés. Tous souverains, quand les uns les autres. Nous nous entraînons les uns les autres. Ce qui est l'autre, si la chose que tu ne connais pas, bien et que tu ne l'as pas bien dite, parce que conscience est quoi ça? Et la conscience ne mange jamais. Cette chose, le dit bien, tu y as mal à corriger, mais quand tu corriges. Mon sens, le dit bien. Oui, le sens dont tu as parlé. Maintenant, moi, je voulais dire en mon sens. Qui faut se faire?
fausseté. Il n'y aura plus de fausseté. Tout sera dans Rome. Non, c'est la robe à Joseph. Plusieurs couleurs. Ça, la robe de Joseph de plusieurs couleurs, bigarrées. Moi je l'ai dit dans ces volets. Et puis ce qu'on a dit que ça fausseté, conscience. Et puis si tu sais que c'est une fausseté, ta conscience en dit que la cause. Tu sentiras vraiment que j'ai menti. Et ça y est, orgueil en tout. Mais c'est seulement l'orgueil de la chair. L'orgueil au Koukoufa. Avec l'orgueil, tu mourras. Tu mords vraiment le royaume. Comme ça à cause de l'orgueil. Donc occasion à pour qu'ils arrêtent. Il y a l'occasion. Mais tu as manqué le royaume. Mais c'est grave. C'est grave, bien aimé. Donc, un homme de Dieu, mon salut entendait, a veillé à ce que son enseignement. Il veille sur ce qu'il prêche. Il faut aller dans ma tête à côté. Il doit bien maîtriser son enseignement encore. Il doit bien entendre les raisons de ma difficulté. Il y a des difficultés. Oui, c'est quitter à corriger. Là où ce n'était pas correct. Baisser encore l'âge à venir. Et donner encore un bon langage. Parce il faut que le peuple ait sa couronne. Parce qu'il doit savoir que c'est le peuple qui est sa couronne. Sauf qu'à quel peuple vient de. S'il prêche mal le peuple, il s'attendra de la couronne. Non, il n'aura pas de couronne. Parce que mon tonne est peuple. Parce que la couronne, c'est le peuple qui prêche. Si tu prépares alors tu ne sais pas la couronne de justice pour le royaume. J'ai achevé la course. Lorsque Paul disait qu'il a saisi, j'ai combattu les bons combats. J'ai gardé la foi. N'a pas tenu condiment. Garder la foi, c'est garder l'enseignement. Combattre la condition, ça pour battre la réaction. Constant. Les amis ont dit qu'à la mouille, la vie. Et ne pas flotter dans l'enseignement. Exactement. Ce n'est pas que tu montrais tu mèches, que les mèches ne sont pas bonnes. Après, prend le mèche, après tu viens nous prêcher que les mèches sont bonnes. Nous avons qu'il faut qu'on voit les chevelures. Tu confessais qu'il faut voir la chevelure dans la prière. Mais lorsque tu as pensé, tu as compris. Et la femme peut prier sans voiler les chevelures. Là, tu as perdu la foi. Il faut la constance. Et c'est que le motif à la ruine à l'Irakissi. Il y a moins de vie. Il y a moins de pomoui. Ce qui est constant, c'est ça, c'est ça, c'est l'Iwan. S'il n'y a pas de constance, c'est la mort. Alors, quand Paul a fait sa conseil, et lorsque Paul conseille aux anciens, avant d'aller sa maman, que Bossène de la Makas, Nanibota, Bonzan, Basoukwa, Kimakila. Il leur dit de plus veiller sur le tout. Pour que le Seigneur s'était acquis par son propre sang. Alors, il dit au verset 29. Il dit au verset 29. Il y a acte 20. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Après mon départ, des loups criés qui n'épargneront pas les troupeaux. Voilà annoncé. La Paul l'a annoncé. À Éphèse. À Éphèse. Et qu'il s'élèvera divinier de vous. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Oyo, Paul a prophétisé. Ici, Paul le prophétise. Avant qu'il est déjà au Koufa. Il allait déjà vers sa mort. À Koufa avant Jean soit Apocalypse. Paul était mort avant que Jean ne reçoive la révélation. Parce que Jean d'abord a Tikali. Parce que lorsque Jean est resté, il est à Tikali comme l'unique apôtre parmi les apôtres Wazalaki avant. C'est lui qui était resté comme l'unique apôtre parmi ceux qui étaient avant. Et lui, pour le matin, exemple, après Jean avec l'apôtre, tenant. Si de nos apôtres, cela ne veut pas dire que le Seigneur n'a plus appelé les apôtres après la mort de Jean. Mais nous sommes par rapport à Babo Vasilin à Jérusalem. Nous parlons par rapport à ceux qui était à Jérusalem. Alors Jean était resté le seul en ces temps-là. Mais le Seigneur a pécié Apocalypse. Alors le Seigneur l'a donné Apocalypse. Pourtant, il s'agit qu'Apocalypse est allé pour concerner toutes les églises. On avait montré qu'Apocalypse concernait toutes les églises. Ezali, la lettre de Jésus-Christ a commis église Nyonso. C'est la lettre que Jésus-Christ a adressée à toutes les églises. Sokotangi, Apocalypse chapitre 1er. En lisant Apocalypse chapitre 1er, verset 4. Le verset 4. Génie au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Yohani, n'a l'église à Samoa. Apocalypse au Nyonso 1 à 22. Apocalypse du chapitre 1 à 22. Ils avaient été adressés aux sept églises. Était adressé aux sept églises d'Asie. Donc,
Et à mon avis, nous avons les sept églises qui sont des catalogues. C'est pourquoi nous disons que les sept églises sont comme un document de fonctionnement de l'église. Donc nous avons parlé de l'église et nous avons parlé de la somme à venir. Et cela montre comment l'église va marcher sur toute la terre. Parce que dans le milieu, il y a Ziminaire. Parce que du côté de la Ziminaire, ils avaient la sept églises au terre. Il n'y avait pas seulement ces sept églises. Ils avaient sur l'église, il y a Troas. Il y avait aussi l'église à Troas. Il y a la police. Il y a l'Hiéropolis. Donc au Tali, ils avaient l'église. Mais les mêmes Colosses, il y avait beaucoup d'églises, même c'est ma Colossien, l'église des Colossiens. Ils toujours la Ziminaire. Et c'est trouvé aussi dans la Ziminaire. Donc, à peu près, on a 10 églises des côtés qu'on a la Ziminaire. À peu près 10 églises du côté de la Ziminaire. Et même l'église, l'église aussi est dans la Ziminaire. Mais le Seigneur, a suivi échantillon pour le la vie église Nyonfon, a commis cette église. Mais il a pris l'échantillon de cette église pour parler de la vie de toutes les églises. Donc, livre ou Apocalypse comment il prend cette église? Dans l'église, le livre de l'Apocalypse est écrit pour les gens. Mais ceux qui sont à Corinthe aussi le reçoivent. Ils sont payés de nous en combattant au Congo. Tosuan. Et nous aussi aujourd'hui, à combattre au Congo, nous avons ces livres. Et ceux qui sont aux États-Unis ont aussi ces livres. Cela venait totalement à carte à cette église. Donc cela venait, nous sommes aussi comptés dans les sept églises. Yangona Jésus Christ. À qui on a adressé la lettre par Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais tu avances qui encore? Alors on avait encore avancé. Toloma qui boué. On avait dit ceci. L'ange a été Kotala. A été visité Jean. L'ange qui était venu visiter Jean. Pour appeler la révélation de Jésus-Christ. Pour lui remettre la révélation de Jésus-Christ. A été Kotala Jean. Il était venu. Il n'était pas seulement venu visiter le prophète. Il a visité le prophète. Attends aussi les frères de Jean. Et aussi le frère de Jean qui avait été. Il y a une personne qui vient au verset 10e à Moïse 19. C'est pourquoi je vous avais donné le verset 10 d'Apocalypse 19. Oh, il y a une personne qui a dit. Pourquoi je donne cette écriture? Et personne ne dira qu'il a le monopole de la révélation de Jésus-Christ. Azaté. Il n'y a personne sur la terre. Portion. Chacun reçoit la portion de la révélation. Et chacun parle selon la grâce qu'il a reçue. Et puis parle d'après ce que Dieu lui a donné. Et un autre aussi peut recevoir et en parler. Et à mon tête, on peut dire que c'est pourquoi on avait donné cette écriture. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Apocalypse 22, verset 8 et 9. Et Apocalypse 22, le verset 8 et 9. Nathania, on a compris. Amen. Verset 10e, Apocalypse 19. Le verset 10 d'Apocalypse 19. Et j'ai tombé à ses pieds pour adorer. Père, n'a pas eu qui n'a pas colonné pour la cobonne de la yé. N'a pas eu même la verset 9e, Apocalypse 19. Et là, je me dis. Mais moi, je me dis. Écrit. Comment? Et ceux qui sont appelés au festin des noces. Et il me dit, festin des noces, c'est notre enlèvement. Dans le festin, la noce de l'immédiatement. Lorsque nous irons aux noces. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 10. Le verset 10. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Il n'était pas le compagnon de Jean seul. Et celui de tes frères. Qui ont le témoignage de Jésus. Donc l'ange était aussi le compagnon. Il y a Pierre. De Pierre. Il y a Jacques. De Jacques. Il y a Jean. De Jean. Après ça va m'en la révélation. Je l'ai aussi révélé la révélation de Jésus. Alobi adore Dieu. Alobi semble la tombe de l'ensemble. Car le témoignage de Jésus. Oui, de l'Itatou Jésus-Christ. Et l'esprit de la prophétie. Les animaux et sa colline à Pessieu et l'Obi. Donc, après sa prophétie à Pierre. Il a donné la prophétie à Pierre. Pessieu à Jean. Il a donné à Jean. Pessieu à Paul. Il a donné à Paul. Après ça, ma compagnon et à. Il y a ma frère, il y a Jean. Il a remis aussi la révélation aux compagnons de Jean. Allez, dans Apocalypse 22, verset 8 et 9. Il est venu aussi dans Apocalypse 22, le verset 8 à 9.
C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres, adore Dieu. Donc, à visiter aussi. Donc, là, tu avais aussi visité Paul. Le Paul. À visiter aussi Daniel. Il a aussi visité le prophète de l'ancienne alliance. Que Dieu bénisse. Amen. Aïe, merci, maman, 70 semaines de Daniel. Il a donné 70 semaines de Daniel. Donc, tes parents avaient. Donc, il provenait de Dieu. Merci, ma programme, ma puissante nation, mais les Koyas. Il a donné le programme de puissante nation aux amis. Dans Daniel 2. Dans Daniel 2. Dans Daniel 7. Dans Daniel 7. Dans Daniel 9. Dans Daniel 9. Verset 27. Verset 27. Dans Daniel 11. Dans Daniel 11. À l'obéissance. Il en a parlé. Et que le royaume grec est au temple là. Dans l'Ancien Testament, l'empire grec va marcher sur la terre. C'est toujours cet ange là. Et ça, quand moi je vous vois, qui donnait la révélation à Jean. Que ça, c'est la pessica à Jean. Ce n'était pas seulement à Jean seul. Ah, donc, ceci nous atteste. Na clôture, il y a un qui a coupé sa programme à révélation sur quel est l'Apocalypse. Donc, la clôture, la conclusion s'arrête à l'Apocalypse. Ce que le Seigneur viendra te donner sera toujours dans l'écriture. Tu ne vas pas apporter un autre livre pour ajouter après Apocalypse. Nous allons te vérifier par rapport au témoignage que nous avons déjà. Si les choses que tu as dites ne sont pas conformes, nous les déclarons fausses. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc c'est-à-dire, dans tout cela, lorsque nous parlons ainsi, ici très bien, on a très bien montré que même à Éphèse, et même à Éphèse, il y a eu plusieurs serviteurs. Les hommes qui n'avaient pas ça, qui travaillent dans cette église. Même si c'est Paul qui a prêché, même si c'est Paul qui a commencé. Pour que cette œuvre puisse commencer. Paul n'est pas l'ange. Paul le Hazani, moi je t'aime. Pourtant, même l'éternel commandé qui Paul s'est accouffé. Parce que quand on rédigeait cette lettre, Paul était déjà mort. Il vient de t'annoncer qu'il y aura des loups. C'est lui-même qui avait annoncé que les loups seraient parmi les loups. Et ces loups-là, ce sont les Nicolaïtes. En effet. Mais Paul a mon acquis maman avant Koufa. Mais Paul les avait vus avant ça. Il y a d'autres s'élèveront parmi vous. Ils ne vont pas épargner le troupeau. Ce sont des faux apôtres. Des amis, ma fille, ma bête, ma Paul les avait vus tous. Il faut être en attente. Tu dois savoir dans ces temps-là. Les choses qui s'est passées en Éphèse, l'église d'Éphèse avait un bon témoignage. L'église d'Éphèse avait un bon témoignage. D'abord bien par rapport à pour résister ma faux. Par rapport à ce qui concerne la résistance aux faux serviteurs. Parce qu'un faux serviteur, après la repentance, il refuse la repentance de l'enseignement. C'est ça le faux. La bonne idée de vous savoir. À cause d'une insuffisance dans un point manquant, il peut être en insuffisance dans un point. Il est assez répandu. L'aide et il se répand. Il est quand même vrai parce lui, il est vrai à ses pays aux hommes dans l'Anzéla. Parce qu'il a désiré rentrer sur le champ. Parce que Pierre, par réprimande à Paul. On l'avait repris par Paul. Et puis Paul a commis témoignage. Et puis Paul a écrit ce témoignage. À Galates 2. Dans Galates 2. Le mec avait même se conduire mal. Et Paul se conduisait, Pierre se conduisait mal avec parce que Pierre avait senti que position et les autres mis enseignements. Il avait senti que la position de Pierre endommageait l'enseignement. Et emporta qui les autres. Et il avait emporté aussi d'autres juifs. Et à mon acquis que. Et puis il avait dit. Celui-ci, je dois les blâmer en public. Mais Pierre a tagué les canards. Pierre ne s'était pas fâché contre Paul. En lisant des pierres, 3, verset 14 à 16, verset 14 jusqu'à 16, a loué Paul. Il a loué même la grâce de Paul. Ah, c'est
bonne façon. C'était vraiment une bonne façon de faire. Il savait de travailler pour le royaume de Dieu. Il savait pour la rencontre de Dieu. Le royaume de Dieu est toujours du bon pour la maman. Dans le royaume des cieux, on n'est pas en train d'élever les péchés. Les péchés nous s'y opposent. Mes frères, j'aime le frère que je vois. Mais le mal là, je le refuse. C'est bon comme ça. Les animaux là, mon dévoué. Parce que lorsqu'il va rentrer dans le bon sens, il va te témoigner comme un bon frère. C'est ça, Paul, comment il était. C'est comme ça que Paul vivait. Que Dieu te bénisse. Ça vient pas mon ami. Alors, par rapport à ce que les gens disent, les sept âges de l'église. Les sept âges de l'église. Et t'es dit que sans moi, l'église. Moi, les langages, il y a la historien. Et puis, ça les manque que. Et puis, c'était fait. Matin, il est venu. Et que beaucoup de prédicateurs ont accepté cet enseignement et ont utilisé le langage des âges. Mais l'écriture les obéit tant il y a cette église. Mais l'écriture appelle tout le temps de cette église. Nous le voyons dans Apocalypse 1. Dans verset 19. Au verset 19. Écris donc les choses que tu as vues. Comment ma capo yo monaka? Les choses que tu as vues, et ça à partir du verset 10, hein? C'est à partir du verset 10, tiens, verset 18, hein? Jusqu'au verset 18. Qui voit, comment est-ce qu'il avait entendu les chandeliers? Il a vu les chandeliers. Les fils de l'homme. Il a vu les fils de l'homme marcher au milieu de cette chandelier-là. Comme de la laine blanche. Il a vu sa tête et sa chevelure comme de la laine blanche. Il a senti la poitrine. Il a vu la ceinture d'or sur sa poitrine. Amoni ses pieds avec lui comme de l'air. Amoni m'a couronné le corps à mon tâteau et à mon tâteau. Les choses qui tiennent. Matambo et mon année. Et mon ami, on va partir en verset 10. Et c'est ce qu'il a commencé à dire à partir du verset 10 à 18. Maintenant, et celles qui sont. Celles qui sont. Et dans cette église. Il s'agit de la église. Donc, langage à cette église. Dans le langage de cette église, c'est l'aujourd'hui. Il s'agit de l'homme maintenant. Vous en avez un, amen. Donc, les choses qui sont. Matamo et Zali. Donc, tant où est appelé l'aujourd'hui. Le temps de cette église, c'est l'aujourd'hui. Et celles qui doivent arriver après elle. Le matamo est ce que le commandant, ma matamo est sali. Les enfants et pour après où est sali. Dans les choses qui arriveront après celles qui sont toujours. Donc, le temps de l'église. Dans le temps de l'église, dans verset 19 d'Apocalypse 1. Au verset 19 d'Apocalypse 1. Est appelé. Oyo exact aujourd'hui dans les choses qui sont les lotosikoyo que Dieu bénisse. Amen. C'est aujourd'hui. Les amis les lots. Alors on soulève qui premier verset d'Apocalypse 2. On avait soulevé le premier verset d'Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Comme l'ange lui écrit d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles. Dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de sept chandeliers. Toluka qui n'a ni ango à vos sept étoiles. On avait cherché qui détient les sept étoiles. Total qui est l'Apocalypse 1. On avait vu l'Apocalypse 1. Dans verset 13. Au verset 13. Et au milieu de sept chandeliers. Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Et puis tout ce qui verset 16. Le verset 16. Il avait dans sa main droite sept étoiles. Ça là qui n'a pas connu à Mobali n'a mis d'autres sang. Donc, au verset 1 et Apocalypse 2, dans ce qui dit au verset 1 d'Apocalypse 2, ton monnaie dans verset 13, on l'a vu au verset 13 celui-là. Fils de l'eau. Moi, la moto. N'est-ce pourquoi ce fils de l'eau? Je cherche à comprendre pourquoi il est le fils de l'eau. Ton taraki dans Jean 5, on avait vu dans Jean chapitre 5, dans verset 27, verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean 5, verset 27. Jean 5, verset 27. Au moment qui boyait. On avait vu ceci bien. Il lui a donné le pouvoir de juger. Après 6 mois, on a eu ma coquille à Moussa. Parce qu'il est. Oui, fils de l'homme. Moi, on est à mon tour. Donc, fils de l'homme. Donc, le fils de l'homme. C'est le juge. Les amis, mon sang ici. Donc, à 6 étoiles, à
tribu ya fils de l'homme. Il détient les sept étoiles avec la tribu du fils de l'homme. Ça va venir dans la tribu à juge. Ça va venir avec la tribu du juge. Dans la zone de la première étoile, lorsqu'il va voir la première étoile, le fils de l'homme, il est le fils de l'homme dans la première étoile. Deuxième étoile, dans la deuxième étoile, il est fils de l'homme. Il est le même fils. Troisième, dix-septième étoile, la septième étoile. Étoile, on les a beaucoup Christ. Et cette étoile, c'est lui-même le Christ de Jésus. On avait dit, l'enseignant dans l'église, c'est Jésus-Christ. En Jean chapitre 20, dans Jean chapitre 20, dans verset 21, au verset 21, le Seigneur, après la résurrection, il y a Colomasimanissé, il était venu visiter ceux ici. Alors, que la paix soit avec vous. Lui était qui mes en la Bible. Comme le Père m'a envoyé. Le Goratata Tininga il m'a envoyé. Donc le Père a un unique envoyé. Le Père n'a qu'un seul envoyé. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Moi aussi, je vous envoie. Donc, puisons-nous se tenir de Tigani. Nous tous, nombreux que nous restons. Nous allons les envoyer. Nous allons partir d'un l'envoyer. Il y a mon Tinda. Il n'y a qu'un seul envoyé. Après, tout ça, Martin d'ami à Martin d'ami. Après, nous tous, nous sommes les envoyés de l'envoyé. Il y a un autre robot qui brûle. C'est pourquoi on avait dit ceci. Le frère Paul, Néco Paul, dans Actes 26, dans les Actes 26, aujourd'hui, verset 21 à 23, vous prenez les versets 22 et 23, à Talisaki, il avait montré le ligné à sa côté. Comment est-ce qu'il prêchait? Il veillait à ce que Moïse avait dit. Non, ma camo, ma prophète, et à ce que le prophète avait dit. Ma camo, mes amis. Mais quelles sont ces choses? Donc, tangwa, tangaki. Lorsqu'il avait lu pourquoi Moïse, les livres de Moïse, donc, attends, il, va il a dit Lévitique. Ah non, non. A moni que Christ a souffert. Il a vu que le Christ souffrirait. On se montagne comment on a dit comme Christ et Jésus. En disant, tu ne verras pas Christ et Jésus littéralement dans le monde. Mais non, on a dit, qu'est-ce qu'il voit? À ce moment-là, on tue les oiseaux-là. À ce moment-là, on égorge les animaux. Mais lorsqu'il lit, il voit Christ. À ce moment-là, Christ a mieux quoi? Il y a un autre qui témoignage. C'est pourquoi on avait pris un témoignage. Il y a tant de façons de purifier la maison. Du temps de la purification de la maison de Dieu. Pourtant, il y a Lévitique 14. Tu lis Lévitique 14. Au gros, on a même à partir du verset 43. Tu pourrais même commencer à partir du verset 43. Même à 54. Même jusqu'à 54. Pour les gens, il y a des éléments qu'on va utiliser pour purifier la maison. Là-bas, il y a des éléments qu'on utilise pour la purification de la maison. Il faut que la maison frappe des lèpres. Tu vas savoir. Et ça, Adam. C'est Adam le Christ. Parce que le Seigneur compare le corps de l'homme à une maison. Si tu observes l'écriture, l'écriture dit que c'est un seul homme qui avait péché. C'est Romains 5. Romains 5. À partir du verset 17. À partir du verset 17. Par offense d'un seul. Il dit sous-moi à mon tour. Il est dans la maison que Dieu a frappé. Donc c'est cet homme-là qui est la maison frappée dans l'air. Mais il faut purifier. Mais le Seigneur doit purifier cette maison. Donc à Sokola. Que le Seigneur doit laver. À l'ambido. Ôter l'impureté. Dans mon sala et à Kibonga Nazam. Dans l'œuvre ou dans les sacerdoces. À Zouaka Babiloko. Il avait pris cinq choses, si tu observes. Lévitique 14, verset 51. Lévitique 14, verset 51. Oh, nous faisons la carte, il y a église. Et tout ceci, c'est dans l'enseignement de l'église. Parce que l'église, c'est la maison. Oui, l'église, c'est la ligne d'accord. Et l'église, c'est purifiée par Jésus-Christ. L'église, c'est fait tout la vie de Jésus-Christ. Donc, a purifié la maison. Et dans l'ombre, c'est le sacrificateur qui purifie la maison de Dieu. Parce que Dieu le va de plusieurs manières. Et il y a un peu de au moins du verset 51 de Lévitique. J'ai marqué le verset 51 de Lévitique. J'ai bien annoncé Jésus-Christ. Amen. Il prendra les bois de sève. À cause de car il va y a sève. Les hommes. Les hommes. Les cramoisis. C'est la montagne. Et l'oiseau vivant. Pende qui a bon mouille. Il trempera dans le sang de l'oiseau mort. À Kozindisa, égorgé. Il y a les cœurs abomis. Et dans l'eau vive. Et il en fera sept fois l'aspersion sur la maison. Puis à Kosopa Makilamba la Sambolikolanda. N'envoie texte au bon ami. Pourquoi j'avais pris ce texte? Un, premièrement, je voulais montrer. Purification en la purification de la maison. C'est fait où
C'est fait par ces cinq choses. Or, notre exhibition. Or, la maison qui vous représente. Ni les autres purifiés. Qu'est-ce que vous purifiez? Vous êtes payé par la parole que vous avez. Vous allez payer ton aliloba. Jésus n'a pas payé ton aliloba. C'est Jésus-Christ qui est le premier. Dans toutes ces cinq choses qu'on a citées, on dit ça, on n'a pas à Jésus parce qu'il a purifié la maison. Il est entré en Jésus parce que c'est Jésus qui purifie la maison qui est l'église. Donc, c'est. Donc, le seigle. Et ça, Jésus. C'est toujours Jésus. Lisons. Et ça, toujours lui. Cramons-y. Le cramons. Et ça, toujours Jésus. L'oiseau vivant. L'oiseau vivant. Et ça, il a caillé. L'oiseau mort. Des cœurs pour faire. Esaïe. Toujours. Pourquoi? Les amonions sont des opétonas. Parce que ce sont ces sept choses qui purifient la maison. Les lois ont mouté dans l'opétonas. Aujourd'hui, ce n'est pas un homme. La vraie maison. Et ça, la colonie. C'est seulement le Seigneur Jésus. Et avant, il y a un amonion sur le fait de la carte. C'est pourquoi toutes ces sept choses doivent les représenter. Et il faut que tu aies ma à mon corps, à mon corps. C'est pourquoi on doit connaître le travail de chaque chose en Christ. C'est pourquoi on avait dit ceci. Si vous prenez le bois de cèdre, 1 Roi 4, verset 33. Le cèdre, c'est le premier arbre dont Salomon a parlé dans sa sagesse. On compare les arbres aussi aux hommes. Mais le premier arbre parmi les hommes, c'est le roi. Mon conci. Le roi. Maintenant, Maintenant, les derniers arbres parmi les hommes, c'est les serviteurs. Et on se fait 1 roi 4, 33. C'est pourquoi en lisant 1 roi 4, 33. L'arbre, Samson, l'obéra. Les derniers arbres, donc Salomon, ils sont. Ils ont été comme ça. Nous comprendre, okay? C'est pourquoi nous comprenons. Ça, quoi, ça, roi. Le Seigneur qui est le roi. Aboyane, il viendra comme un serviteur. Mais ça, pour nous purifier, nous, dans le péché. C'est pourquoi il a dit, vous m'appelez Seigneur. Je me suis fait serviteur pour vous purifier. Mais je suis Seigneur. J'ai manifesté l'humilité. Donc, et ça, regardez. Donc, c'est toujours. Maintenant, à l'obéi, cramoisi. Mais il a parlé aussi du cramoisi. Tu es mirable. Nous savons Rahab. La prostituée. Moi, si nous va. Fille cramoisine née à Tchèque dans la fenêtre. Ils ont dit si la montagne à Tchèque dans la ministre. Pour condamnation, quoi, il en a pour la aider. En fait, que la condamnation ne s'en va pas sur sa maison. Et t'as pas qui m'a bien arrêté. Et cela n'avait pas tenu compte de son âme. Mais cette obéissance à Tchèque cramoisine. Pour tous, si on a monté sur la montagne, ils ont dit une grâce. C'était la grâce pour elle. Cramoisine, c'est la grâce. Le cramoisine, c'est la grâce de Dieu sur lui. Grâce, c'est ça, la Katia. Christ et Jésus. La grâce n'est qu'en Christ et Jésus. La monnaie nous purifie. Et c'est ce qui purifie. Maintenant, les deux oiseaux. C'est pas des guéris, pas les. Total, c'est ce qui voyait. On avait montré ici. On voit même témoignage quand Jean-Baptiste a qu'il est baptisé Christ. Tu pourrais même prendre le témoignage de Jean-Baptiste qui a dit. On a dit l'esprit qui descend sous forme, il y a colombe. Il avait vu l'esprit descendre sous forme. Donc, ce qui est spirituel. Oui, ça dit mon livre. Et ça va présenter aussi forme d'oiseau. Il m'a dit que ça va pas le coup la neige. Le de la même manière dans 1 Corinthiens 15. Paul a dit qu'il y a des corps célestes. On parle des corps célestes. Il y a des corps terrestres. Mais tout est assez que. Donc, quand on dit des oiseaux, lorsque tu vois les deux oiseaux, le corps est des eaux purifiées. Comme ce sont eux qui purifient la vie. Et lui, vous avez un frère Moussou sous tes deux oiseaux. Ne peut pas être notre Seigneur. Jésus-Christ. C'est toujours Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour y être purifié. Parce que c'est seul lui qui nous a purifiés. Mais quand on dit des oiseaux, mais lorsque nous voyons les deux oiseaux, c'est là venu ton oiseau qu'on a deux corps. C'est là venu que nous voyons deux corps. Donc on a oiseau mon corps. Comme un oiseau l'avait égorgé. C'est là venu un corps qui a fait mourir pour la purification du corps. Mais comme nous sommes beaucoup fait, mais notre corps ne mourra pas. Ton monde dit Jésus. On a vu Jésus. Avec un corps semblable à corps. Il a venu un corps semblable au nôtre. Mais toi, interpella qui Salomon a dit à la mission. Mais on avait aussi fait appel à Salomon dans notre enseignement. Nous avons dit 1 roi chapitre 8. On a pris 1 roi chapitre 8. Dans le verset 46. Au verset 46. Maintenant, vous êtes amoureux de la parole. J'aime que vous soyez amoureux de la parole. Vous dites la parole, il faut beaucoup aimer la parole, mes frères. La parole, hein?
va transformer ses corps pour les rendre encore glorieux. Aucun match ne va changer ton corps encore glorieux. Tu connais le match d'un championnat qui va transformer ton corps. Combien un joueur. Si tu cites le nom d'un joueur, le corps mortel va changer. Il dira ton corps mortel change. Comment jouer la voix? C'est quoi le championnat? Dans quel championnat européen? C'est bien la parole. Il faut te réjouir de la parole. Soit qu'attends la parole qui en est temps. Sur la parole, on dit des choses vaines. Les footballs sont des choses vaines. Ils ont besoin de taille au monté. Qui ne te donne rien du tout. Aux autres, mais ça vous taille, il y a tâté. Tu loues quelqu'un qui ne te connaît même pas. Moi, ça va un salaire tel que tel salaire. Tel salaire. Il est plus que. À ton qui pourra le bel jouer. Donc, il est là pour parler du joueur mortel. Ce qu'on tourne, est-ce que tu connais? Si tu me poses la question, tu connais le frère? Je ne connais pas ce frère. Là, il y a un peu de temps. Nous glorifions celui qui va changer notre corps. Il faut glorifier le Seigneur. Quand ils pécheront contre toi, verset 46, il y a 1-8. Le verset 46 de 1-8. Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. C'est cette écriture que j'avais le matin. Moto, il va pêcher. Et c'est la soumouka taka. Mais ce qu'on dit, un homme a été sur la terre, a soumouki terre. Mais si tu vois un homme venu sur la terre, vivre dans toute sa vie, il n'est pas un homme. À sa moto terre. Il n'est pas un homme. À sa moto terre, mon ligami. C'est Dieu parmi son père. C'est là qu'il t'appelle Katika. Comment les a Emmanuel? Il t'appelle Katika. Définition à moi. La définition. Dieu t'appelle parmi. Il était un corps céleste. Tu suis attentivement. C'est pourquoi en observant les ailes, ils avaient des ailes. Comme des oiseaux. Le cours là-bas n'est qu'un. Mais si on te dit Ézéchiel 1, verset 7. Mais en lisant Ézéchiel 1, verset 7. Être vivant, ma colonne à vous, c'est un gombe. Les êtres vivants ont les pieds de veau ou de bœuf. Donc, ça va être vivant. Mais s'il foule la terre et qu'il passe, si tu viens regarder la trace, donc c'est les vaches ou les veaux qui sont passés. Donc les célestes arrivent comme serviteurs. Tu le vois vraiment, c'est un oiseau. Parce que ça n'est pas qu'à Pumwaka. Donc, Yewanande, l'oiseau qui devait mourir. Donc, c'est lui l'oiseau qui devait être égorgé. Mais l'oiseau a pour Fakatewa. Mais l'oiseau qui demeure, c'est toujours lui. Il s'attaque à Yewanande. Il y a pas le roi qui n'a pas fait ce qui est un miracle à Jonas. Il avait dit que je vous donnerai le miracle de Jonas. Jonas a dit il a mis ses 3 jours, 3 nuits. Il s'était retrouvé 3 jours et 3 nuits avec sa poussière. Est-ce que Jonas n'a pas mis sa poufa? Est-ce que Jonas n'a pas entendu que était mort? Donc la poufa qui était, c'était un miracle. Là, il n'était pas mort, c'était un miracle. Il y a mon Pierre, après il a aimé 3, comme on a versé 18 à 21. C'est pourquoi Pierre a péché dans la pierre 3. Christ est mort quand il a péché. Christ a poufa de la soumise. Là, c'est le premier oiseau. Là, c'est le premier oiseau égorgé. Quant à l'esprit, il est allé prêcher les esprits en prison. À quel côté a mis mon apollo quoi dit ouais, c'est l'oiseau vivant. Les amis des cœurs bombés. C'est toujours lui-même Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque Paul a dit ces choses dans la loi. Il a mis un acte 26. Il a dit un acte 26. Christ est mort. Christ va pouffa. Il a souffert. A mis au moment. Mais ressuscité devant. Parce qu'on sait qu'on a mal. Il a annoncé les. Il y a un moment dans le déclin. C'est pourquoi cet oiseau vivant. Il était ma boutique à ce temps là. C'est lui qu'on va relâcher pour parcourir les champs. Pour asperger le sang dans tous les champs. C'est toujours lui-même Jésus. Il a purifié lui qui a purifié.
que la vie. Et c'est lui-même qui va faire ma chambre. Faut qu'il y ait les assassins dans tous les champs. C'est toujours Jésus qui est mort. Pour purifier la maison. Pour purifier la maison. Il y a beaucoup à annoncer. Parce que lui-même qui annonçait la parole. Pour tout souder. Pas un autre. C'est lui l'enseignant dans l'église. Il est démonté une église. T'as dit ça qui? Que aspersion awa et salemi cette aspersion. Ici, il s'est passé cette aspersion. Donc, il n'y a pas de aspersion, comprendre en vous, il y a des. Donc, comprends l'aspersion au tamis, ça m'a dit là, le mot l'a dit chaque lettre. Donc, chaque lettre aux églises. Pour l'église. Et ça, il y en a 7 lettres. Donc, il n'y a que 7 lettres. C'est ça, cette aspersion. Le mot l'a dit ça m'a dit là, il y a des. Maintenant, qui le fait? Oiseau vivant. N'est que à bon. Mais à suivre l'oiseau mort, c'est lui qui va prendre l'oiseau mort. Asperger sur la maison. Il va asperger ses sangs sur la maison. Il y a une maison démissabilité. C'est ce qui nous confirme que l'église, Ecclesia, est à enseigner que par Christ. Et t'es habitat à la Christ Jésus. Et l'église a passé le temps, il y a fils de l'eau. Et l'église passe le temps du fils de l'eau. Même que t'as dit dans Jean 5, verset 27. Comment venez le lire dans Jean 5, verset 27. Fils de l'eau, mais ça pour nous agir. Donc moi, la montée, ça pour nous agir, ça m'a béni. Donc on confirme qu'il y a 1 Corinthiens 11. On avait confirmé dans 1 Corinthiens 11. Verset 32. Et le verset 32. Que le jugement est en église. Les saints, les amis, les lois, l'église, les amis. Et pourquoi nous sommes jugés aujourd'hui? C'est pour que nous ne soyons pas condamnés ensemble avec le monde. Pour qui c'est qui 1 Pierre 4. On avait rajouté 1 Pierre 4. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Pour qui c'est qui 1 Pierre 4. 1 Pierre chapitre 4. À partir du verset 12. À partir du verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Dans le verset 17, il y a 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Car c'est le moment où le jugement va commencer. Par la maison de Dieu. Et des amis Congo, ils savent ici à ma mère qu'on dans la carte en la contemplation. Le jugement, c'est le fils de l'homme. Donc le jugement, c'est dans la tribu du fils de l'homme. Parce que c'est le fils de l'homme, mais à l'autre là, au milieu de cette chambre. Mais des amis, moi, la montre là, j'en tape la carte, c'est la tribu de l'homme dans sa maison. Il est là aussi mal de cette étoile. Et celui qui détient les sept étoiles dans sa maison. C'est là venu à son juger l'église aujourd'hui. C'est là venu, il juge les mal de l'église aujourd'hui. Condamné avec les morts. Oui, ça la gracier pour ton étoile. Afin que nous soyons graciés pour l'enlèvement. Que Dieu te bénisse. Ça vient pas pour la vie. Maintenant, quand au Tani Apocalypse 2, maintenant, lorsque tu lis Apocalypse 2, on peut remarquer par jour loué l'ensemble. Bah, Ephésien. Tu vas remarquer que le Seigneur loue le frère d'Éphèse. Basan Amisara Malam. Et qu'ils avaient des bonnes œuvres avec eux. Sara Malam, le bonnes œuvres. Bayebi au résister ma faux serviteur. Ils savent faire l'opposition aux faux serviteurs. Le Seigneur aime cette résistance chez les frères. Mais le Seigneur n'aime pas que tu traites des alliances avec des faux enseignements. Sache qu'un faux enseignement te privera la face du Seigneur. Un serviteur qui prêche mal. Dis-lui que tu nous maudis, serviteur. Si c'est fâche, il va se fâcher contre l'enseignement. Il refuse de corriger. Je dis à ses collègues serviteurs. On ne livre pas Satan seulement à cause de la pudicité à répétition. On livre aussi à Satan lorsqu'on prêche mal et qu'on refuse la repentance. Moi qui oppose un enfant, on te livre à Satan parce que tu es un faux enseignement. Paul a livré ma bouche à Satan pour attirer qui mal l'enseignement à l'Église. Et Paul avait livré d'autres personnes parce qu'ils avaient mal prêché la résurrection. Ils ont seulement prêché un mal prêché l'enseignement. Paul les a livrés entre les mains de Satan. Mais maintenant, on a pas besoin de ménager. Vous allez voir des gens qui font des compromis avec l'enseignement. Par la suite,
compromis dans l'enseignement, il y a des compromis dans l'enseignement, il n'y aura pas non plus la puissance. Parce qu'il faut la sanctification. Oui, que ce qu'il y a au centre. Et l'ombre, ça y a monté, l'ombre là. La chose qui n'est pas correcte, il faut l'éradiquer. Oui, famille dans l'enseignement, il y a 318. Vous demeurez dans les enseignements. 3 plus 5, 4. 8, 12. Franchement. Mon bon corps. Abraham a déjà libéré le fond. La doctrine. La doctrine. Ça va bien. Ça paraît vraiment. C'est bon ça. Mais tu mens le peuple. Si tu vois des chiffres, tu es pris. Si tu vois des chiffres, tu es pris. Pourquoi vous avez dit 318? Quand vous avez 318, combien 3 plus 1, tu es pris. 3 plus 1, plus 4. 4. Maintenant, on a tout combien 4 dans 4 plus 1, 10. 10. Et combien 12? Ça fait 12. Mais pour ceux qui ont l'air. Même étant pas. Non, on peut s'en mettre 1 2. 1 2. Continue, papa. Continue de plus, plus. Pourquoi tu t'arrêtes? Oh, compréhension des façons qu'on des chiffres types. Dans ta compréhension, dans le chiffre. Mais comment on dit 12? Comment tu peux t'arrêter? Tu t'arrêtes là. Comment? Moi je vais t'aider, je vais te plus entre 1 et 2. Ça va donner 3. Maintenant, le mot va se fondement. Mais la parole d'accord de ton fondement dans mon corps. Maintenant, c'est ma très sale. Matthieu est vraiment ma belle. Un mauvais enseignement. Après qui 50? Il trouve 50. Après 6. Il fait tomber les yeux. Donc dans sa pensée, 50 de commandement à 5. Les 50 de ce qui est 5. Il est zéro en chiffre arabe. Le Yamon a yé. C'est ce qu'il connaît. Ce qu'on a dit 10. S'il voit 10. Alors ceux qui te relisent. Si on fait tomber les zéros, tu dis qu'elle n'a rien. On reste avec 1. Bon. La zéro, la calcul, ça va. Donc, enlever les zéros dans le calcul, ça nous donne 10. On a 10. Ceux qui te l'ont ici, si on enlève les zéros, on a aidé. Que je vais t'aider. Attire. Ceux qui te l'ont ici, si on enlève les zéros, on a compris 10. Moins 0. Moins 0. Et le menu maillot, dans ton appareil. Appliquer à mon chéri, ça dans la mathématique. 10. Ceux qui te l'ont ici, si on enlève les zéros, moins 0. Moins 0. Yo, suis un. Non, tu prends un. Si vous suivez un, c'est grave, le mot 9. Si tu as pris un, c'est lui, tu as enlevé le 9. C'est clair, quand même. C'est clair. Le mot 9. Tu as soustrait avec le 9. Mais vous suivez un. Alors tu as obtenu 1. Si vous avez 10. Si tu as 10. On le met le mot 10. Si tu enlèves le 10. Vous avez là, 10. Tu auras toujours 10. C'est ça, le conseil du verset. C'est ce qui est connu de tous. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans le verset? 10. Ceux qui ont le zéro, n'a aidé moins zéro. C'est pour ça qu'on va bien. 10. C'est ça. Quand on doit mettre, quand on doit mettre. On va voir, mais on doit voir dans la sorte. Quelle sorte d'enseignement? Quelle sorte d'enseignement? Tu puisses ici. Tu dis qu'il y en a un. Après ça, on a imité à foi. Quand est-ce que nous parviendrons au même enseignement? On s'est limité quand on va pécir. Là où le Seigneur t'a donné. Ce que tu ne connais pas. Non, pas qu'il a évité. Dis que je l'ignore. Grâce à Dieu est vraiment sur la terre. Et notre grâce n'est pas t'aider. La grâce est sur l'île dans la terre. La grâce ne s'arrête pas à moi seul. Non. La grâce de Dieu est là. Il y a d'autres grâces à côté de toi. Ça, ils s'en vont. T'es sûr. Si je ne connais pas l'explication, je dois les laisser comme un jour. Un jour. Ça va vous dire ça va tout. Ça va vous dire la 318. Le Seigneur va préparer notre personne pour prêcher 318 hommes. Au bout d'un à 50. Tu vas contre 50. Oh, et ça, 5. C'est 5. Ça va, ça, avec 50 pas. Un 50 à Dieu, c'est 50. Dieu écrit 50. Et ça va prendre. Donc c'est en vain. Maintenant, il y a un mot 5. Directement, c'est 5. Alors, le 5. Ministère. Le ministère de la parole. C'est très grave ces choses. Là, Jacques a remarqué que Dieu jugera sévèrement. Vous avez un mot 5 qui s'abattait dans ma tata. Sévèrement. Dans ma tata. Les prédicateurs. Donc il faut que toi à la fidélité. Donc tu dois avoir la fidélité. Alors l'église d'Éphèse. Alors l'église d'Éphèse. Et Zara qui côté l'aimé là va faux enseignant. S'opposer aux faux apôtres, aux faux prédicateurs. Et Dieu a moi qui cette nature-là. Ça vient tout mis ça qui le lingua. Et ça une bonne nature. C'est une bonne nature. Il y a qu'on s'opposer dans la faute. Il y a côté l'aimé la montée, il y a ma vie. Mais non, on est visant par le manque qui n'a qu'à d'avoir un malade. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur avait contre les frères d'Éphèse? Ils ont négligé leur premier amour. Bango batika qui m'a dit qu'on a pas eu à Yambo, on va s'en faire.
Lorsque tu es venu dans les choses de Dieu, Dieu a ses premiers amours. Ça vient à dire que tu as le zèle là. Donc, mon lendiwana. Et puis, vous t'en perdez dans ta zèle là. Et puis, celui qui perd sa première parole, lorsqu'il a pris la parole, son péché. S'il pêche. Il y a pas le souviens-toi d'où tu es tombé. Il y a pas de si tu as un kouyaka. Et répands-toi. Donc, il s'appelle à louer. Donc, le Seigneur loue. Mais à corriger. Mais il corrige les mal qu'il a trouvé en eux. Ceux qui vont se répandre, ils vont amener ça les mains. Si les gens ne se répondent pas, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a remis l'église de fête. Le Seigneur a remis l'église de fête. Il viendra ôter les chambres. Ah, oui. Oui. Le pèlerin dans la yo. Au moins l'église. Vous voyez l'église du Seigneur. Elle est symbolisée par le chambre. Donc exemple le col et pèlerin. Mais dans l'église, dans l'église. Mais dans l'église encore. Exemple un chandelier. Il y a encore un chandelier à l'intérieur du chandelier. Les amis. Qu'est-ce que c'est? Ministère de la parole. Tout le monde est à l'Iloba. Il y a moins des gens en rôle, il y a elle qui doit éclairer les corps. Il y a moins des gens en rôle à l'issue et ce qu'il y a des églises en d'autres églises. Parce que l'œil est la lampe du corps. Mais de l'issue, ils allaient moins d'un d'autres. Les chandeliers ont ma lampe. Donc les chandeliers ont des lampes. Mais le ressources. Dans un autre langage. Les gens ont yeux. Donc, ma miso. Il y a moins pour moi dans Zacharie 3. C'est pourquoi dans Zacharie chapitre 3. J'ai présenté un rocher qui a sept yeux. Attends, ici, il va mis sur sa mort. Et sept yeux-là, il va mis sur sa sept langues. Et ça dit, il va mis dans sa mort. Parce que Jésus a remis dans Matthieu 5. Parce que Jésus dit dans Matthieu 5. L'œil est la langue du corps. L'issue des alliés, oui, d'un autre. Maintenant, ici, comment on se répandir? Maintenant, là où les gens ne se répandent pas. Manque à repentance et votre année. Comment est-ce que entre le manque de repentance dans un dans une communauté? Quand nous t'avons confessé, lorsque celui qui vient confesser, a dit confession n'a été pas manqué. Il attend sa confession chez l'autre frère. En tout cas, vous avez corrigé. Courage à faire vous confesser. Et il n'aura plus le courage de venir confesser chez ses prédicateurs lors des confessions. Un frère vient confesser chez un serviteur. Mais après un certain moment, il attend sa confession chez la femme du ministre. Sache que lorsque la nouvelle va se répandre, ses serviteurs-là ne recevront plus de fidèles qui viendront confesser chez lui. Et par après, on s'est généralisé. Et par après, ça deviendra général. Tu m'as compris. Et les gens commencent à se battre avec leurs propres péchés. Ils vont commencer à s'étouffer dans ces choses que les diables cherchent. Il y a moins de Satan à nous qu'à l'église. Vie à confession dans la tête. Qui n'aime pas la vie de confesser les péchés dans la tête. La vie à péché. Et les gens demeurent dans le péché. Alors la question qu'il a bloqué dans le monde, c'est qu'on a un talon. Qu'est-ce que si je dis que c'est un système du diable? Les amis, on est liés au Satan. Et donc, on va laisser ça avec elle. Cette chose a fait que. Et bloquer ma camionne, ce Dieu a retiré chandelier. Et cela puisse bloquer tout et que Dieu retire son chandelier dans l'église. Bonjour, Mme Maman. Amen. Donc, quand Dieu retire le chandelier, d'abord, on a le mot de Péloumine. Et ça, boye. Donc, ça se passe comme ça. Ako, Zoua, Banzo, tous les ans, dans la vraie grâce à Paris. Il prendra les corps qui ont les vraies grâces, ils vont les disperser loin de ces lieux. Parce que Dieu ne se dépend pas de ces noms. On s'amène à Pongo, à la Katina, à l'Ikabasa, à l'Ibato. Si un peuple ne croit pas, si un peuple ne croit pas, ne croit plus, à son dire, ils ont dit, elle est venue chez les siens. Le Seigneur a le chandelier qui est ôté. Ils allaient pour le mouille de Balomoni. Et Israël tient mon lit. Et Israël est resté dans les ténèbres. Même si, à ce moment, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Même si aujourd'hui, ça fait peuple de Dieu. Mais la lumière s'est guérie. Mais la lumière était déjà partie. La lumière est en amour. La lumière est de notre côté. Donc, ceux qui vont transformer dans l'Israël, si les gens racontent par les autres. Mais parmi les juifs, nous avons notre frère Moïse. Vous avez entendu la mission. Mais Moïse a commandé pas à Séphora. Mais Moïse était déjà chez Séphora, frère. Alors, sur la carte.
résisté. Il est venu parmi eux parce qu'il avait résisté. Donc c'est que, c'est-à-dire, je te montre qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne puisse pas se repentir. La joie du péché. Donc les œuvres de la chair commencent à aller et l'ingi toujours ça l'est l'ingi. Oh, les ont commandé. Oh, ces œuvres-là les tuent. Et un peuple. Qui trouve bon de ne pas confesser leur péché. Nous la position, nous ne pouvons pas retourner dans la bonne position. Parce que tu vas voir une autre personne. A confessé sa terre. Il ne confesse jamais ses péchés. Écoute, le Seigneur, mon col, souvent il va commis ça juste, injuste. S'il veut faire d'injuste, injuste. Azali plus que le roulage du Congo. Il est plus que le roulage du Congo. Jésus-Christ. Le roulage du Congo. Le roulage du Congo. Tu as tous les documents avec toi. À cause d'une infraction. Il va te créer, t'inventer une infraction. Et comme il m'attend à clignotant. Mais ça va sortir même de clignotant. Il va te faire sortir le code de la route. Jusqu'à ce que tu puisses sortir l'argent. Et ils le font dans le mal. Mais Jésus. Christ, il le fait dans le bien. C'est pourquoi tu verras. Alina, il n'avait pas voulu. Que Adam n'a pas. Et lorsque Adam et Ève ont péché, qu'ils aillent toucher de leur propre. Est-ce que le Seigneur ne voulait pas qu'ils vivent éternellement? Il le voulait. Mais il avait refusé qu'ils aient le prendre pour vivre. Pourquoi? Parce qu'ils diront que c'est par leurs efforts qu'ils ont vécu éternellement. C'est pourquoi bloqué. C'est pourquoi le Seigneur avait barré les chemins de l'arbre de vie. De la même manière, toi tu dis Jean. Jean dit Nazali pour toi, Zangalissou. Je cherche le péché que j'ai commis, je ne le vois. Je cherche même lui-même Dieu. Si je vais le rencontrer au nord ou au sud, ou à l'est, ou à l'ouest, qu'il me dise le péché que j'ai commis. Lorsque les trois compagnons de Jean ont fini le discours, le plus petit, qui était là lorsqu'il parlait, alors lui, je suis plein de paroles. Je suis comme une loutre. Nous sommes pour la mec. Oui, il y en a plein de femmes. Tout qui s'est mis à l'île. Oui, c'est éclaté. Il est pantana. Laissez-moi parler mon appel, ma kimia. C'est ça le ministère. Demandez au sang à l'auto. Les vins, c'est béni. Donc il y a les vins. Il faut parler. Il faut pas respirer. Pour respirer. Ah, il y a une introduction. Il a commencé à introduire. N'a flatté quand vous doutez. Je ne flatte personne. Azoye, ça va chez moi. Là, il dit au vieillard. Et lui était jeune. Je ne sais pas flatter. Si je vous flatte, ça va pour m'engager par la mort de la guerre. Ami Job dit qui n'a pas de péché. Il s'est posé la question. Mon tabou qui pose la couille, il est venu en tant. Avec les sous-majeurs, il est pas dans les façons de se justifier devant Dieu. C'est bien être juste devant Dieu, c'est ça. Et c'est ça le péché des gens. Tu vois le péché des gens. C'est parce qu'il se donne la victoire. Il est là. Voilà, sans péché. Il dit, moi je suis sans péché. Je ne vois pas comment est-ce que je peux faire au sous. C'est ça le péché. Et c'est ce que lui avait dit. Le fait que tu dis, tu n'as pas les péchés. Dieu vous en a le souverain. Et alors vous en a le souverain. Amen. C'est Dieu là qui a trouvé des fautes dans la carte d'Ange. Nous avons un coup d'armée dans la carte d'Ange. Tiré de la poussière. Tu n'as pas une armée. 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 Toi qui vois l'iniquité comme de l'eau. Il dit, Job, regarde, monsieur. Regarde aussi la terre. Tu vois la distance. Alors, si tu pèches, que lui donnes-tu? Et si tu es juste, que lui donnes-tu quand tu es juste?
ta justice. N'est utile à tes frères, à tes compagnons. Tu n'as donné rien à Dieu. Qu'est-ce que Dieu aura de ta justice? Alors, dit, le mal que tu feras n'est miracle à tes semblables. Il avait vraiment rabaissé Job devant l'Éternel. Bonjour, passe en grâce. En fait, que Job obtient la grâce. Pourquoi la loi qui a demandé Job vraiment quitté la grâce? Quand il avait parlé, Job, c'était une harmonie à sa nomme. Vraiment, il était fort. Je dois me ramasser. Mais en moi, alors, Dieu est venu le visiter. Parce que le mouvement avait alors Job, Dieu a senti qu'il manquait. Parce que le Seigneur avait senti l'orgueil aussi dans Job. Comme il m'a maquillé. Donc, il s'est trouvé juste. À Coca, que lui était sûr. Et cet extrait de ma naïve, Jude Et cet extrait de ma Jude s'adresse à notre personne. C'est 16e. Au verset 16. Il dit ceci de lui. Alors, il dit, dans le verset 12, ce sont des écailles dans vos agapes. Et ça dit, écailles dans le milieu de la ville. Faisant impudemment bonne chair, ma bébé. Se repaissant des mains. Ce sont des nuées sans eau. Vous connaissez les nuées sans eau? Vous voyez les nuées aujourd'hui en vite. Mon bébé, vous voyez. Et directement, un gars va venir chasser ces nuées. Ma nuée sans eau. Et magnifique. Au moment où c'est ça, séminaire. Séminaire. Les recoulements de la colonne. Qu'on garde la yébé. Quand il est là, quand il est là, à Sangama et en Fula. Vous savez, on va là. Je suis là attentivement. C'est ça, les liés sans. Il y a monnaie dans les sens. Quelle monnaie? Un gros terme. Mais, vide. Mais vide fondamentalement. C'est ça, nié. Il y a monnaie, ma patate. Oh, et Sangama et en Fula. Poussé par le vent des arbres d'automne sans fruits. Oyo et Benanakami Pepe, mais ça le pour la bandité à l'automne des arbres en mouvement. Des fois mort. Oui, couffant par la mi-balle. Et la signe. Pepe, quoi, ma? Des vents finies de la mer. Ma montée à Canada. Voilà, je vais expliquer dans ma faux serviteur. Là, il compare le faux serviteur à ces choses. Rejetant de l'équipe de l'air impuré. Oh, ma soeur, il compare quand vous sautez dans la mort. Désastre errant. Auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième, depuis Adam, a prophétisé en cet âge. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Dans la verset 16, c'est toujours la chute. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leurs hommes, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Amen. Donc, ce qu'il veut faire. Il va faire des veillées chez les frères qui ont beaucoup d'argent. Donc, c'est la seule toi qui n'a pas d'argent. Avec la maison de chambre. Qui n'est même pas. Qui ne verra pas de serviteur là chez toi. Il vient toute la nuit bien chez toi. Sauf que le matin, tu ne vas rien leur donner. Moi j'aime plus ma façon d'église. Si tu me vois que je suis parce que je parle dans les églises de saints. Mais ne cherche pas là-bas d'ailleurs. Jésus a donné le souci que nous devenions les meilleurs. Laissons des distractions sur d'autres églises. Nous ne sommes pas encore partis. Nous devons nous
Ce sont les choses que nous devons abandonner. Ce sont les choses qu'on doit abandonner parmi nous. Tu vois un homme ou quelqu'un dans la vie. Dans l'assemblée, je ne peux pas les louer. Dans l'assemblée, la coquille qui mis ça à ta tête. Ce n'est pas bon. Ils arrivent à la montée. Parce que vous aimez les têtes. Parce que cela ne va pas les aider. Si je sais que tu as une mauvaise vie. Dis que je vais te faire lever pour te blâmer en public. Corriger. Et que tu sois corrigé. Pour la salue, pour ton propre salut. Et ça, très important. Et ça, pour tout y'a collègue. Les gens par motif d'intérêt. Dans les assemblées de saints, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ces pratiques. Donc, c'est que le Seigneur. C'est que le Seigneur a notre premier amour. Il demandait que nous retournions à notre premier amour. Les zèles à parole. Nous l'aider à parler de nous. Pour que Christ revienne bientôt. Donc comprendre que Christ revient bientôt. Donc vous avez cet empressement-là. Avoir vraiment cet empressement de choses de Dieu. Vous avez la facilité. Quelqu'un qui a la facilité. Oui, oui. Vous savez. Et comment passe-t-il pour toi? Donc c'est de faire lever quelqu'un qui vit dans l'impudicité pour prier à leur faveur. C'est difficile. Bon, mais ce qu'on te dit, et qui mise si tu te lèves, ça fuit directement. Mais qui mise le Seigneur? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a 16 honneurs. Il voit le coup mouillé. C'est ça, moi qui a premier amour. Il y a moins de consacres à vous, il y a moins. La première amour, les gens confessaient leurs péchés. Dans le premier amour, papa, ça dit qu'il y a pour la massoune, la maman. Bibliquement. La bibliquement, ça va tout. Ça dit que c'est ennemi seul. Donc, il faisait honte à l'ennemi. Mais au moment, on a quand même l'assemblée des saints. Mais tu verras dans les églises de saints. Les mensonges règnent. Le coutant des autres comptes. Et on a trouvé non plus ses pas à mon divin, mais place à mon thème. Mais tu ne trouves plus chez les serviteurs de Dieu. Un autre serviteur. Parce que là, dans le système, on va enregistrer. Parce que moi, j'ai un système d'enregistrer les gens. Même temps, on a un frère. Même lorsque j'étais encore frère. Attends, même si je manque l'argent. Bon, on va couper, ça va prendre qu'il y a des classes. L'argent, des faits scolaires qu'on va me donner. Mais pour ça, de la bande cassette. Je vais l'utiliser pour acheter des bandes cassettes. La bête, ma coutine, on a des classes. Et je vais faire les pieds tous les jours. Et je rentre aussi à pied. Mais la bande, maintenant, on a besoin. Mais j'ai des bandes de cassettes que je vais enregistrer les enseignements. Une autre personne peut dire. Mais c'est un peu grâce au Père. Il faut aussi consentir des sacrifices. Il faut consentir des sacrifices.